Les gars, j'ai beaucoup repoussé cette game parce que je voulais pas le faire. C'est vraiment trop immonde de jouer à Time Can't Stop. Mais il fallait bien le faire un jour ou l'autre. Du coup, la voici. La game de Time Can't Stop. Ah, tu fais jouer Flashy Knight. Ouais. Oh. Avec Point de l'Immortel, Shield Bash. Le reste, ça peut varier. Le reste peut varier. Les deux dernières peuvent varier. Et là, tu prends Approach Velocity ainsi que les Freebots. Oh, t'es là, tu te dégoûtes. En vrai, je m'auto-dégoûte. Mais il fallait. J'ai acheté Time Kench pour cette série. Il fallait faire la game de Time Kench. Bon, là, il faut un AP assassin. J'ai pas le choix. Sinon, c'est juste du gâchis, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Du coup, c'est quoi le jungler? C'est Twitch? Twitch jungle? Ouais, j'ai hâte de voir contre quoi je suis. J'espère que ce sera pas un truc trop horrible parce que Time Can't Stop a beau être au-delà de dégoûtant, t'as des counters quand même. Ok, je suis contre quoi? Harry Top? Je sais pas. Harry Top qui banne 7? Ah non, Yone. Oh, je pense que Yone, ça va. Ouais, il y a pire. Je pense qu'on a déjà été plus mal lotis avec Yone. Je pense même que ça va tellement que je vais... Ouais, non. Second Wayne, c'est vraiment trop bien. Tu sais que Jokebox, là, tu vois, il fait n'importe quoi comme d'hab. Il a fait des games de Harry ADMI d'Elfblade hein, en tchal. Il aime trop ça, lui. Il aime trop ça, les carabistouilles. Mais combien de m'en fous, alors. Lui, il vit pour les carabistouilles, pour le coup. C'est vraiment sa passion. Par contre, ça me fait chier, le dernier upload, là, de carabistouilles en draft. Il reste bloqué à vérification en cours. Et c'est un truc que j'ai jamais. J'ai eu ça que ce soir. Bon, et tu le truc, bien. Il restait bugué en vérification en cours qui ne s'arrête jamais, tu vois. C'est parce si que la les game deux était sont complétés à la fin de cette game-là, ça va. Là, je pense parce que la game était malveillante. La game est malveillante. Il vérifie bien que, tu vois, soit pas trop malveillant. Oui. C'est des vérifications. Parce que là, il ressent un peu de malice. Attends, du coup, il joue Renek ton mid. Ouais. Bon, s'il est à l'aise avec ça, je crois que c'est parce qu'ils ont role swap en fait. Ils ont mis M-Pro en AD, Dustros en support et du coup ils ont mis Tox en mid. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Après, le truc c'est que c'est vraiment pas mal, mais contre Harry, je pense vraiment pas que ça fonctionne. Dans le meilleur des cas, il dégage la wave en boucle. Et du coup, ça va. Mais s'il commence à se faire bully, c'est finito. Au moins, il est pas con, il a pris un anneau dedans. Un bouclier, tu veux dire? Oui. J'étais là, attends. Il ouais, est sorti non. De la base là quand même. Non, un bouclier. Bon, les gars, je suis là. Sous jungle, par contre. Avec mon cringe Kench top. Poigne de Pissortel. Par contre, le nouveau Z, je sais pas trop comment il fonctionne. Le dash? Ok, on se met sur la gueule au niveau 1. Je cours. Non! Oh, si je touchais ce coup de langue, je pouvais le forcer hors de la lane. Bon, par contre, je pense que sur ce trade niveau 1, il a compris. Oui. Il a compris, parce que là, le coup de langue, il partait, point de l'immortel, ça pouvait très vite partir avec l'ignite. Hein. Ouais, surtout ta flash knight. Je sais plus, le fleet a été buff en plus, mais je sais plus, je crois que c'est pour les ranges, pas le pour fleet. Les... Ouais. Alors concrètement, non, c'est juste que la sustain, quand tu frappes des mêlées avec un fleet, pue maintenant. Ah. Mais la sustain est meilleure quand tu frappes des champions. Mais vu que les champions mêlés la prenaient surtout pour survivre la lane, bah c'est beaucoup moins bien. La dernière fois que j'avais check Zukil sur Yone top, il disait que Fleet c'était finito, qu'il était pas sûr mais qu'il pensait que c'était finito et je l'ai jamais vu prendre Fleet depuis le changement. Ok. En fait la sustain sur les creeps est vraiment basse. Allez, va prendre ton proc de point toi.
Putain, en vrai, ça kite trop bien, Yone. Ouais, c'est quand même pas mal fort, hein. Faut se dire. Oui. Oh, c'est clairement OP comme champion. Ah, mais en plus, on est sur le patch où il a été buff. En plus. J'essaie de le forcer, mais il fait vraiment trop gaffe. Je sais pas si je pourrais le tuer en 1v1. Puis le truc, c'est que Tahm top, aussi OP soit-il, avant c'était un pic de niche, tu vois. Tu ouais, pouvais ouais. surprendre les gens avec. Maintenant, tout le monde s'y attend bien au Tahm top. Et à ce qu'il est capable de faire. Ok, j'ai déconné. Je crois que j'aurais dû prendre la 6 skin au niveau 2 là. Oh merde, il m'a vu. Qui? Bah le Yon, j'ai pris la plante. Ah mais merde, faut prendre les cookies aussi, c'est pour ça. Faut pas prendre les freebots, faut prendre les cookies. Pour ça là, j'étais en mode putain mais je manque de sustain. Ok, c'était pour voir, il y a l'animation. Par contre là j'ai mis une spire, c'était pas légal, enfin c'est pas normal qu'elle touche. Ouais. C'est vraiment pas légal qu'elle touche, mais bon. Apparemment elle touche. Ah, je me suis peut-être tué. Ok, non. Ah, j'ai mal joué cette early lane. Je suis trop confiant sur la brocanitude de mon personnage et du coup je fais n'importe quoi. Après le montant d'HP que j'ai regagné sur un seul coup de langue. À mes yeux là j'ai des out lane, j'ai mis un coup de langue, c'est bon. Bah ça donne énormément d'HP hein, c'est incroyable ouais. Ouais, ah ouais, là je le ressens bien. Je ressens bien aussi le fait que j'ai pas de TP là. J'aimerais bien avoir une TP. En fait, vu que j'ai pas de cookies, je galère niveau mana. Je vais faire un glacial. Oh, je vais courir top. J'ai acheté des. J'ai acheté de quoi jouer l'early game là. Ok. Après, je pense qu'il prend cette lane et il se casse, non? Peut-être qu'il veut forcer sur le fait que j'ai pas de TP, du coup me maintenir. Ouais. Ouais, Je vais dasher à travers le mur et puis c'est parti. Ok. Putain, mais le trade que je lui ai mis! Allez, je suis là. Attends un peu. Ok, putain, il sait. Oh, c'est bordé. Bon, bah, je prends le push, écoute. Le problème, c'est que lui, il va pouvoir me maintenir avec son TP et bien poser la lane, mais tant pis. Ouah, en vrai, après je crois que c'est elle qui joue mal, mais... Merde. Ok. Bon les gars, j'ai fait un Glacial Shroud parce que je considère que mon pool de mana est pas assez bon. Vu que j'ai pas les cookies, Glacial Shroud dans lane contre un AD, c'est pas mauvais. Là j'ai un bac qui va me permettre de rester sur la lane longtemps. Bah surtout que le cœur gelé est extrêmement bien dans la comp. Ouais, ouais c'est vrai. Yone est top, 2 AD carry. Bah ouais, puis enfin ils ont 3 auto-attaqueurs quoi. Puis l'item est juste trop fort. En vrai depuis qu'il était buff c'est vraiment solide. Je suis quoi, je suis à 1 ou 2 creeps de mon niveau 6. Oh dommage, ah, rien. Il va vouloir back, je pense. En vrai, s'il avance cette lane, on peut lui courir dessus. J'ai mon ulti. Ouais, ouais. Vas-y, je suis là. Ok, je le fais littéralement sur lui. Ah bah, il est mort là. Attends, okay. Je m'en sors là ? Oui. Ok. On peut push comme des bourrins, moi ? Ouais, ouais, de toute façon, la prochaine fois, il faut la push. Il va vouloir revenir, mais le truc c'est que je régène beaucoup et qu'il a pas l'ultime. Si je lui mets ne serait-ce qu'un seul coup de langue, je suis pas en position de mourir. Ok.
ça va. C'est ridicule. Ouais, c'est vraiment con pour le coup. C'est vraiment ouap. Oh oh. Allez, on y retourne. C'est quoi la range? Ouais, ça va. En fait, je faisais derrière lui et je me suis rendu compte qu'il avançait toujours vers moi quand je faisais ça. Ouais. Du coup, bah, je fais littéralement sur lui et ça passe. Oh non, je crois il a déco. Il s'est avancé, il a plus bougé. Et là, il court à sa base. Merde. Oh non, je suis trop déçu. Oh, y'a un SOS, un truc mid là. Let's go, il arrive à m'emporter dans la tombe. Mais ouais, de jouer Tahm Kench, même si je le joue mal et que le mec en face est pas fort, le problème est très simple en fait, je m'en rends compte. Après, je le savais déjà, mais là j'en ai vraiment la confirmation, c'est les points de vie rendus par le coup de langue. Par le coup de langue, pardon, c'est aberrant. Tu peux te retrouver sous tour et être dans une merde pas possible. Si t'arrives à glisser un coup de langue au mec, c'est bon, tu peux lane. Ouais, non, mais c'est vraiment aberrant par contre. Ok, ça va. Ils ont quand même réduit le slow parce que le slow. Enfin, je sais pas si tu te rappelles du slow d'avant, c'était une aberration aussi. Oh, tu pouvais pas, hein. Oh merde. Allez, le gros crapaud qui va manger ses petits fruits là. Voilà. Quelque chose perso quand même. Ah ouais, c'est. Il fait bien. Par contre, no troll que Yone Fleet Rushbot du Berserk. Bon, c'est normal sur Yone. Ah, ça me. Counter, c'est exagéré, tu vois, mais. Quand même. Ah, il est là. Je voulais pas faire ça. Ok, j'arrive. Je vais passer à travers. Ah, ok. Mais ouais, je peux jamais lui marcher dessus. Littéralement jamais. C'est vrai. Il est tout le temps trop mobile. Putain, j'ai claqué mon shield pour rien. J'ai perdu de la vie à regagner là-dessus. Putain, dommage que je suis pas tombé sur un Trindade. Je me serais tellement amusé. Pour connaître le match-up dans l'autre sens. Trindade, il est là, il peut bien rien faire. Puis Yone, il a littéralement tous les types de dégâts. Ça le rend plus dur à tanker. Oh, c'était vraiment du bout ça. Je gagne pas. Ouais, il avait les creeps. Ouais, après Harry a plus d'ulti, du coup je suis safe. Je pense pas qu'il va. Après j'ai beaucoup de. Attends, je l'ai démoli sur cette action là. Oh, tu m'as niqué les oreilles. Oh, excuse-moi. Oh, oh, c'est incroyable. J'ai pris un bon trade, mort. Tiens, étonnant ça. Légit, j'ai pris un bon trade, je lui ai explosé la gueule. Le truc c'est que j'ai pas de ténacité, après c'est pas trop un drame contre leur pick. Et surtout contre mon match-up. Bumped c'est pas réductible pour la ténacité. Allez, ne t'en doute pas. Allez, ok, on est bueno. Le Yone a dit I'm really lagged. Il lag beaucoup? Ouais. Non mais ça se ressent. Je t'ai dit à un moment il a eu une déco.
Le Twitch, pardon, nommé WeFlipIt. Il est là, il est in. En vrai, sur ce perso, tu veux faire un gantelet givrant, mais là, vu que j'ai pas la tenacité, j'hésite à faire une cape solaire. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a 4 ranges, donc je sais pas comment tu vas la faire pour que t'as cape solaire. Hein? Bah, il y a 4 ranges. Ah! Ah, est-ce que j'étais en train de me dire aussi? Oh putain. Je grid sans l'ignite. Une fois l'ignite obtenu, je pourrais lui mettre des 100-0 sous tour. Je pense. Oh non, c'est pas passé. Allez, je te mange, tu m'as saoulé. Voilà. Je te force ton R et tes outlane. Et je te cancel back. Enculé de creep. Allez vous faire foutre. Toi ça se passe bien ça, ta petite île là, petite top lane. En vrai il me pète un peu les couilles. Ouais c'est chiant. Get, il est si rapide, il me dégoûte. Je peux pas l'avoir. Il est là, zèle, flit, sceptre vampirique, fait les droites gauche en boucle. Je le domine, mais je peux pas le tuer. Non. C'est étendu. Tu te rends compte que j'ai failli mourir à cause d'une arrow de hache en tant que top laner? Ah j'ai pas vu. Ah bah oui c'est pour ça que j'ai dit non. Ah t'as pris l'arrow? Ouais j'ai pris l'arrow de hache. Ah putain. Je crois tu peux venir me donner peur, un coup de main frérot? Ouais je suis en train de courir tout droit. Après il a l'air de back, ouais il va back je pense. Je sais pas hein, moi je pense que je suis juteux là comme ça. Ouais mais sinon il serait resté. Mais je vraiment Yone, tu vois, donc Yone de base. Couplé à un Zell en lane, couplé à Fleet Footwork, je te jure que c'est ultra désagréable. Je te crois. Bon, je mens. Je pourrais pas aller plus loin sur la lane, il va pas tarder à repop. Attends, il a une gale force et il y a putain de Nami. Ok. J'ai le Frostfire, je devrais pouvoir le maintenir maintenant. Enfin, j'espère. Je devrais pouvoir maintenir ce malandrin. Oh putain, c'est une histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils ont tout et moi je suis tout seul. Je vois. Au moins, il y a de la résistance en face. Ils peuvent même clairement gagner la game en vrai. Oh oui, qu'ils peuvent la gagner, ce que je viens de voir. Ouais. Bah. Ah, mais c'est qu'en fait, on a une subdiv qui est. Excessive. Ah, mais elle, je la tue pas, à mon avis. Parce que si elle a en flash, c'est qu'elle a l'arc immortel. Time for une bramble. À moins de lui mettre une spear max range. C'est infernal ce personnage. Pas une surprise, on parle de Yone. Je découvre pas, mais. Waouh! C'est indécent comme il y a tout dans ce champion. Mais bon, je
peux pas en plaindre, je suis Tahm Kench. Oui. Mais je parle de manière générale, tu vois, je ne suis pas un joueur de Tahm Kench top. Je suis pas longtemps que joueur de top lane. C'est clair, il bouge beaucoup en team, mais bah nous, non, il n'y a pas. Ouais, moi c'est compliqué de le forcer. J'ai une assist, j'ai un solo kill, mais. Mais il reste sous tour et il sustain comme un bourrin, quoi. Ah, c'est qu'il y a un ami avec Twitch en permanence. Vas-y, j'arrive. Oh, attends. Ah, le truc, c'est que si je bouge, il détruit la line instant. Oh! Mais comment ça, ça n'a pas touché là? On est où? Ah merde, mais je suis doomed en fait. Ok. Non mais. Ah ah. Stinky. Ok, peut-être pas. La subdiff. Hop, plus 260 HP, mais bien. Non. Il a gagné. Non. Au moment où mon coup allait tomber. Le truc, c'est qu'ils sont tous extrêmement mobiles en face. En vrai, c'était. J'ai tellement pas eu de chance sur ma game de Tahm Kench, no troll. C'est très casse-couille. Genre, c'est. Waouh, ils sont tous si mobiles. Avec tellement de kites. Ouais, il va falloir poke. Ah, moi, je peux poke un peu. Ça va être très très dur de jouer contre eux en tant que Tahm Kench. Je sais même pas trop ce que je devrais acheter là en vrai. Ok, je vais prendre une Bramble et je vais prendre de la MS. C'est un jouable sans MS. J'ai besoin de MS. Bordel. Donne. Merci. Oh, ils m'ont mis la Harry. Qu'est-ce que va faire Tahm Kench contre Harry? Peut-être je vais faire des trucs, peut-être je sous-estime. Moi ouais, je pense pas qu'elle fait beaucoup de dégâts. Hein. Ah bah en fait elle vient de commencer par grandement déconner là. Ok bah je lui ai forcé son petit. Oh le dragon de l'océan il régale. Allez viens voir papa. Ok. Bon après elle fait n'importe quoi mais... Yone quand il fait n'importe quoi je peux pas faire ça. Non vas-y... Je te jure que la subdiff est... illégale genre c'est... insupportable. Insupportable. Effectivement, ça m'a l'air compliqué. Je pense que j'aurai la tour le top là-dessus. Oh oh. Oh oh. Il a un red buff. On peut le tuer? Moi je voulais tuer mid mais. Bah il est parti je crois. Non, il est là. Tu deviens fou? Ouais. Bientôt, je vais devenir fou. Bon, si. Je te jure qu'ils ont trop de trucs pour bouger. Ouais, non, mais t'inquiète. Je l'ai vite remarqué avec leur team. Dis-toi que rien que jouer contre Yone, ça me rend très agressif. Ce Yone Fleet Rush Zell, ça m'a vraiment cassé les couilles. Ouais. Je comprends pas comment le Twitch peut avoir des kills alors que je l'ai mis au-delà de derrière. Mais bon. Ne t'en fais pas. En vrai, on a une sale compo teamfight, même s'ils sont insupportables à jouer. Oh, attends, je crois qu'il m'a pas vu. Oh, bah là, je suis là.
Touché, interrompu. Ah. Ok, ok. Les cons. Vas-y, vas-y, je tank. Oh, oh non. Voilà. Oh. Oh là là, let's go. Y'a Twitch qui arrive. Hein. Ouais, je suis pas bien apeuré par ça en vrai. Ouais, un peu, j'ai pas de Zonia, faut que j'ai pas de Zonia. Ok, oh. Je me fais traîner. Mais comment ça, ça touche pas là? Voilà. Voilà, on s'en va tranquillement. Putain, par contre, j'ai mis une auto-gantelée sur un creep à côté de Yone. Je sais même pas si j'ai envie de compléter un autre. Non, je pense que j'ai envie de compléter une plaque du mort, un autre rôle. Bah, ouais, c'est vrai. Comme ça, au moins, on peut forcer du jeu, tu vois. T'as besoin de move speed après. J'ai tellement besoin de move speed. Pour le coup, j'en ai vraiment trop besoin. On a le contrôle des dragons. Oh ! Aurak, c'est bon, j'ai la solution. Ouais. C'est l'âme des vents. Ah, c'est vrai. C'est même pas une vanne, hein. Si ils l'ont, c'est fini. Oh, ils l'ont pas. Est-ce que je peux pusher cette lane? Ouais, Yone est bot. J'avance la lane top et j'arrive pour jouer le Drake. Ram, c'est que... Je suis en train de flank, je sais pas si on peut faire un truc. Putain, c'est incroyable. Mais je suis tout seul ou quoi? Je comprends pas en fait. Ok, j'ai un slow sur le Twitch. Mais je comprends pas, y'a rien. Mais oui, notre beauté ne sert au-delà d'à rien. Je comprends pas. Je me fight contre deux mecs. En permanence. Bon bah, ils ont ce dragon. C'est pas jouable, je crois bien. Ils ont ce dragon. Bah, vu que t'as un pic comme Nida, ouais. Ouais, bah, le problème c'est que notre Tristana elle veut pas utiliser ses spells aussi. Il a encore son flash, encore son heal, encore son heal. Putain. Ouais, là, en vrai, l'action qui s'est passée là, je comprends pas comment on les tue pas tous. Bah, pour moi, c'était un flank écrasant, mais. Ouais, j'avais. Je sais pas, va falloir essayer. La game est clairement pas loose, elle est encore relativement even, mais... En fait, leur clown, c'est Harry. Et c'est plus ou moins tout, en fait. Tout le reste est utile. Harry, c'est vraiment leur point faible. Le problème c'est qu'il y a Twitch ou H en permanence avec Nami en fait, et c'est impossible. Ouais, après on fait jamais d'action ensemble aussi. Ouais bah ouais mais bon. Là c'est que ça va être compliqué. En faisant des actions ensemble il y aurait peut-être moyen. Ouais après t'as pas un très bon pick pour le coup. Malheureusement oui. Moi non plus pas vraiment. On a aucun de nous deux a des bons picks pour carry les teamfights. Ah moi j'avais un bon pick pour lire les games mais j'ai crush early mais bon. Oh, J'arrive. Je l'ai touché. Mais... Yun m'a sans zéro, je n'ai rien pu faire. Ouais. Y'a Yun derrière. Nice. Il a plus d'ulti. Il l'a flashé, il était slow. Non! Oh aïe. Aïe. C'est encore une game cancerleuse, ça je reconnais. J'avoue que la game dégoûte. Après, on a gagné celle d'avant.
Ouais, bah ouais, c'était un stomp pour la gagner. On a gagné toutes les games en vrai. Ah non, non, on a fait. Bah, ce sera 2-2. Bah non, ouais. Ce sera 2-2. Dans cette game, y'a rien. C'est pas bien grave, on va dire, avec la lineup qu'on a, bon. Pourquoi elle a fait Stormraiser? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh lolo. Oublie pas que c'est un Gold 4, 50% qui n'a pas joué depuis 2 mois. Ah oui, c'est lui, c'est pas. C'est lui. Ah ouais, bah ok, je comprends pourquoi tous les fights il a tous ses spells en permanence. Enfin, tous ses summoner spells. Et qu'il utilise jamais rien. Je le truc, c'est là, il a le Nash. Bon les gars, sinon si je peux vous dire un truc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on perde la game hein, pour le coup, parce que Rengar je me suis vraiment amusé alors qu'on s'est fait stomp. Mais là, oh vous n'avez pas idée à quel point je me fais chier. Ouais. Oh comment c'est boring Tahm Kench. C'est vrai que Tahm Kench c'est vraiment pas du rêve. Je suis dans un ennui mortel là, le jouer, vraiment. Après, je suis pas tombé dans la meilleure game, tu vois, leur composition d'équipe aide pas, mais... Je me fais chier, mais chier! C'est indécent comment je m'ennuie. Viens, on tente une flip rotate mid là. Y'a Twitch, y'a Twitch. Ouais, je sais bien. Flip it. Oh, enculé. Touché. Ignite, du coup, il est marqué. Qu'est-ce qu'il veut? Viens, on fait Nash. Oh. Ok, on fait peut-être pas Nash. Oh, tu vis. Fais attention, hein, tout le monde veut ta peau là. Je serais pas étonné qu'il y ait un Yone qui tente un. Ouais. Attends, mais elle se permet vraiment de faire ça? Elle aime vraiment pas la vie cette hache. Bon, je pense qu'elle a juste accepté. Hein. Ok, on my way. Oh, j'ai touché avec ma spear en plus. Eh, marche dedans. Non, marche dedans. Oh, c'est si triste. Oh. Le truc, c'est qu'il va certainement déjouer l'action avec son perso de malade. Hein. Oui. Oh. Voilà, il a mal joué. Ouais, là, il a fucked up. Viens dans mon ventre, mon loulou. Ah, quelle honte. Ok, c'est peut-être winnable. Oh non, en vrai, non. Je sais pas, moi j'y crois un peu. Un peu. Mais en fait, en teamfight, il nous annihile, je un point. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Bah, on n'est pas forcé de jouer le teamfight. Ouais, bon, je pourrais teamfight. Ça va être complexe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être complexe que Nami. Mais dis-moi, Rex, tu es fort négatif. Bah, non, mais tu vois bien que Nami suit en permanence Twitch et Twitch fait des catch-up. Écoute, donc moi ce que je vois c'est qu'il y a un dragon là, go le jouer. Je vais prendre la plante comme un bonhomme. Voilà. BOOM! No flash Twitch! Il est sous l'outil Leona! Et voilà! Et maintenant on prend le dragon. Ouais. Tu vois que c'est possible. Et maintenant on est à un dragon de la soul. Et Twitch il a plus de sort d'invocateur. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Voilà. Oh, attends. Elle continue, hein. Alors maintenant, Rax, tu as l'air d'être une whiny bitch. Je suis juste rationnel. Mais non, t'es pas rationnel, bon. t'es une whiny bitch. Et tu sais ce que disent les gens... Enfin, les whiny bitch, quand ils veulent se sentir mieux? Ouais. Ils disent qu'ils sont rationnels. Ah ouais. Ouais. Si tu viens de l'inventer, celle-là, encore, non? Exact. En plus, c'est quoi les whiny bitch? C'est quoi cette merde? Whiny bitch. Oui. Le fait de whine, c'est de se plaindre tout le temps. Bitch, c'est une salope. Ah, whine, moi je suis. Tu es une salope qui se plaint. J'utilise complain, pas, je connaissais pas whine. Je suis bien en train de lui montrer à cette tour là. Oh non, sale pute. Il faut y mourir de Yone encore une fois. Fais attention où tu vas, mon frérot. Ouais. Mais je me fais cancer tout mettre là. Ah, je crois que tu n'as pas fait attention à où tu allais. Mais le problème c'est que je n'ai personne avec moi. Il n'y a personne sur la map à part toi qui se pute. Oui. C'est ça le problème en fait. Eh bien tu aurais dû le savoir. Bah oui mais bon. Tu aurais dû l'accepter vilain parce que là ils te tuent et ils prennent le Nash. Bah oui bon, ça change rien, ils auraient pu le prendre quand même.
Ok, je tente de la dive, mais je sais pas si ça passe. Ok, ça m'a pas l'air de passer. Pour la tourelle, hein? Ouais, je sais. Ok, bah, elle a pris tout seul. En fait, faut qu'elle soit hors de ses creeps. Hein? Hein? Auto? Bon, elle est là, en mode 6 milliards d'APM. Moi, je suis là. prends tout coup de langue, là. Je pense que les minions, ils ont fait 10 de plus de dégâts que toi, alors. Ah, ouais, moyen. Bon, là, j'ai ma grosse Titanic, là. Bon, allez, Orex, tu arrêtes d'être un enfant pleurnichard et on peut la gagner. En fait, t'as trop du mal à accepter pour avoir fait plein de games avec toi. De quand tu joues avec des gens moins forts, bah, qui sont moins forts, en fait. Ouais, je sais. Toi, tu pars trop du principe que tout le monde va faire son travail comme il est censé le faire. Mais non, non, non. Oh. Slow. Il déconne, hein. Ok, il est mort. Ok, bien joué. Crapaud. Ok, c'est bien, c'est bien. Ok, non, quelle force. Ouais, let's go. Je passe par là. Reviens là, toi. Tiens. Putain. Écoute, moi j'ai repéré. Là, tu vois, j'ai repéré. Moi, je suis un grand analyseur de Pislo. Et là, cette game, le point la, faible, c'est H. Ouais, là, H est tilté. H est en rush pit. Pourquoi H est en rush pit? Eh bien, parce que Harry, comme tu l'as dit, a support diff. Mais qu'est-ce qu'a fait là, Harry pour support diff? Eh bien, la Rome. Non. H ne l'a pas aimé. La Nami, tu veux dire. Oui, 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 oui. Viens, viens, viens. Ok les gars, vous vous souvenez quand j'avais fait un discours comme quoi Tamken j'étais chiant à mourir à jouer? Eh bien je retire tout ce que j'ai dit. Y'a la soul dans 57 secondes. Je retire tout ce que j'ai dit, Tamken ça me fait beaucoup rire. T'es si con putain. T'es là avec ta grosse grenouille, ton crapaud là, ton poisson des rivières, ton poisson chat. Et t'es là, la grosse léchouille là. Ah, ça marche sur mes trappes. Oh, je prends une potion de fer, j'arrive, ne meurs pas avant, je t'en supplie, Orax. Je te fais même un ping. Ah putain, je crois qu'il y avait. Il y avait une ward. Je continue les pings pour pas que vous fassiez de bêtises. Il va mourir là. Ok. 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 Ok, bon, on a la soul. Vivement la mouvement de speed. Hein. Je. Ouais. J'en ai tellement besoin, bro. T'as pas idée comme j'ai besoin de cette mouvement de speed. Boum. Et voilà, on est tous trop rapides. Non, c'est. Oh, regarde-moi, regarde-moi. Regarde comme je cours. Ouais, regarde le gros crapaud, il est tout heureux. En vrai, légit, si la hache jouait sérieusement, on aurait jalouse, hein, mais... Oui, mais c'est ça que je te dis, Orax. Tu pars toujours du principe que les 5 mecs en face de toi, c'est des full tryhards qui vont faire exactement ce qu'ils sont censés faire. Et tu pars du principe qu'avec toi, c'est pareil. Sauf que bah c'est pas comme ça, League of Legends. League of Randoms. League of Legends, c'est vraiment pas comme ça. League of Legends, je t'explique ce que c'est. C'est... Trouver le crotteux de l'équipe, l'abuser jusqu'à gagner. Le bully, il faut trouver Théo 14 ans, sort du collège là. C'est vraiment ça. Faut trouver le point faible, une fois que tu as trouvé le point faible, tu cognes dedans le plus fort que tu peux. Alors moi je peux peut-être faire un peu de dégâts à la tourelle. Attends. Fais attention, il y a Harry qui va te homeguard la gueule et un ami qui va te couper. Orax là ça commence à être bêtise. Bêtise, 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 bêtise. Je t'attends pour te manger au cas où.
Allez les teammates, faut rotate. Ça arrive, ça arrive. Ok, ok. Ok. Ah, voilà. Let's go. Ok. Oh, oh. Attention à lui. Il va air. Ok, on peut peut-être avancer. Si con. Moi j'ai pris la tourelle. Ah là, je suis revenu. Elle est revenue du coin. Ah là, c'est compliqué. Je peux pas. Ouais. Ok, là faut jouer le Nashor. Est-ce qu'il dit. Ouais, le flash a claqué un Twitch pour s'en sortir, on est d'accord? Ouais. Le Twitch a nos flash. Non, connasse! Quoi, elle t'a pris un... Non, elle m'a cancel la hache. Ah. Elle est là, elle fait tout pour pas gagner. Et brutalement, elle se met à défendre et à me cancel. Il me vaut ou pas le Twitch? Non. Bon, j'ai pas encore assez pour compléter ma côte épineuse, du coup je reprends une pote et c'est reparti. J'arrive, les amis, je suis le crapaud! À la guerre comme à la guerre. Je pense qu'on peut le faire sans qu'il vienne, je sais pas. Oh. C'est que là j'ai pas de zonia en fait. Elle devrait pas traîner seule, c'est évident qu'il y a Twitch qui rotate, enfin qui traîne au mid là. Ouais. Ah bah voilà. Putain, c'était close. Oh, il est narrow. Ok, ils l'ont plus. Ils l'ont plus pendant longtemps, on a pas de CDR la hache. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait? Bah. Moi je pense juste on le fait. Oh, hein. Oh, il me pète les couilles. Tiens, je te ping, qu'est-ce que tu faisais là? Et pourquoi t'as pas dit eux? Et pourquoi tu. Ah, faut pas regarder son Steph. Ah là, le truc c'est que. Je vois pas trop comment on peut faire. On peut pas la tuer là? Non. Oh mais bah, si. Ok, c'est bon. Ok, un pour un. Ok, je forme par là. Il vient des bots. Je suis en mode tout rapide. Touché. Ils essayent de backdoor, Ils sont derrière. Faut reset, vite. Après ils ont pas de minions, en fait. Mais qu'est-ce qu'ils branlent? Je sais pas, mais je pense qu'on les tue et qu'on fait le Nashor. Bah tiens, ouais, tiens, mais... tiens. Miam, miam. J'ai pas compris, en fait, j'ai vu le lion TP sur la minia, du coup je me dis merde, il backdown, mais y'a pas de minions. Je sais pas, ils sont enflammés. Ils sont complètement cons. Bro, dès que j'appuie sur, sur tab et que je regarde la Tristana, en vrai faudrait l'aider. Oh son stun. Non mais bro, il a pas la moindre idée de ce qu'il branle, faut ouais, vraiment... Si il rejoue à Dekari la game d'après, faudra lui expliquer un peu les itemisations à Dekari du moment. Est-ce qu'on peut push? Là, faut prendre le push mid avant toute chose à chaque fois. J'attends pour un élixir de fer. Faut qu'on joue ça, frérot, meurs pas. Meurs pas. Tu meurs, je te pampan. Pampan cucu. Oh. Ouais. Tu fous le stuff. Yone a pété le flash. Ouais, je sais pas si Twitch l'aura. Y'a moyen que Twitch le récupère pour cette action. Faut que j'aille mettre le push mid. Sinon, si ça traîne, ils vont pouvoir backdoor ou quoi. Ah, c'est top, on l'a vu. Oh non. Ok, j'arrive par là. Boum sur la Nami. Je mets une. Ok, une spear. J'ai le CD. N'oublie pas que lui a pas de flash. Hein. Ok, il est touché. Il y a probablement Twitch qui va. Ah, Twitch, il fait quoi? Il fait le Drake. Ils font le Drake.
Je suis en route. Ah ouais, j'ai pas de smite là par contre, mais je pense que ça va. Je vais pas y risquer. Ouais. Ah ok. Hop. Elle pourra pas se barrer normalement. Non. Bro, elle s'est pris le gros coup de langue. C'est injuste. Imo, ce qui vient de se passer est illégal. Bah t'as auto le... Comment ça s'appelle? J'ai auto le quoi? T'as auto le Krug. Ah bon? Ouais ouais. Ouais mais Osef ça a fait proc l'hydro-titanesse, du coup ça la cancel. C'est la même. Je suis même pas... En vrai je suis même pas sûr que ça... c'était dessus. Bon, j'étais persuadé que je l'avais auto L, t'es sûr que j'ai auto le Krug? Ah oui, je suis quasiment sûr 90%. Okay. Oh non. Oh les dégâts, quand même. Oh vous faites des bêtises. Oh ça fait des bêtises. Let's go! Putain de crapaud! Faire attention à Twitch. Oh! Wouah! Oh, il est là! Ok, jusqu'au push, jusqu'au push. Incroyable, on a win! Ouais, j'en reviens pas. On a win en 44 minutes! Tu vois? Ouais, la longue. T'as juste dû arrêter d'être une chialeuse. Titre de la vidéo, mon crapaud est légendaire, Aurax pleure. Bah là, bah, c'est ce que j'allais dire, pareil, ils vont chercher. Sur le watchtime de 45 minutes, bro, tu vas de la thune, mais oh là là. Aurax pleure de rage. Aurax pleure de rage, trouvez le moment auquel il pleure. Oh merde. Oh tiens, faut que j'aille voir là, les histoires de vérification en cours, si c'est aller au bout des choses. Ouais, c'est vrai. Le petit père Emperor là, faut juste lui réexpliquer. Oh les dégâts. Regarde les dégâts de notre team, s'il te plaît. Attends, je vais aller voir. La game d'avant c'était Elysine, on est d'accord? Ouais. Ouais, non, c'est bon, les histoires de vérification, c'est normal, c'est juste que ça prend du temps. Alors, on va aller voir les dégâts de la. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. Ah bon, bah je suis allé voir le greffe de dégâts, mon frérot. Ouais, ça me bien. J'imagine que tu veux plus en faire là, elle t'a trop fatigué celle-ci. Ah ouais, je risque de finir sur une petite arame là. Allez, on va aller sur une petite arame, ça me va bien. Ça me met bien. Bah les regardeurs, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour plus de Carabistouille ou de Frères de Bolossage, je ne sais pas. Bisous.